Cloqua a proposé aux étudiants cette année un cas existant d'une certaine manière déjà, c'est l'hypothèse d'une personne qui souhaite investir de l'argent en Bitcoin sur Internet, qui signe un contrat, on va dire nouvelle génération, un smart contract dans lequel toutes les règles du jeu sont posées. Et puis cet investisseur commet une erreur, utilise son Bitcoin pour autre chose que ce qui était prévu au contrat et il perd tout son investissement. L'intérêt de ce projet pour les étudiants et aussi pour les élèves de l'INSA d'ailleurs, c'est de pouvoir mettre en perspective leurs études, sortir de la théorie pure qui peut leur être enseignée pour voir comment le droit se pratique. C'est aussi un moyen pour eux de pouvoir travailler leur orientation, puisqu'ils peuvent se rendre compte de ce que c'est que le métier de juriste et puis décider du coup par la suite s'ils souhaitent l'embrasser ou non. C'était une expérience assez inoubliable. On est quand même juste en deuxième année, on a la chance de plaider à la cour administrative d'appel, ça restera marqué je pense. Alors, les étudiants principalement visés sont les étudiants de troisième année et master. Et puis en fonction des candidatures, on propose bien volontiers aux étudiants de deuxième année de venir rejoindre le projet. On a été supervisé par une équipe d'avocats qui nous est attitrée par équipe du coup d'avocats fictifs. Je suis les procès fictifs depuis 3 ans et en fait notre rôle c'est donc de coacher les étudiants dans le cadre des procès fictifs pour les écritures mais également pour la préparation de l'audience. C'est vrai que le droit c'est aussi une matière vivante et qu'il faut savoir la pratiquer.